Alors, monsieur Ruchet. C'est pour une demande, pour des travaux, pour une maison, pour une somme de... Pour une somme de... Pour une somme de 40 000 francs. Pas plus. Pas plus. Ou disons 50 000. Oui, je vois que vous n'êtes pas tout à fait fixé. C'est que... 50 000 francs... C'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Et c'est justement ça qui... Ça qui? Bah oui, pour la banque, si peu, c'est pas une affaire. Les frais de dossier sont les mêmes que pour 500 000 francs. Voyons. Âge. 58 ans. J'aurais cru moins. Je croyais que c'était bien pour vous. Parce que si un gamin de 20 ans vient vous demander... Bah ça sera plus facile. Parce qu'il gagnera des sous pendant longtemps. Est-ce que vous, vous finissez bientôt, donc on va faire moins d'affaires avec vous. Puis on préfère aider les jeunes. Surtout si vous anticipez votre retraite. Je vous jure que j'attendrai le dernier moment. Ah moi, vous savez, s'il n'était qu'à moi, vous l'auriez illico, votre prêt. Seulement, c'est l'ordinateur. Ah, je sens que ça ne va pas lui plaire. Votre métier, c'est... Professeur au CES Neruda. Neruda. Enfin, on verra. Marié, enfant, célibataire, sans enfant. C'est bien, c'est mal. C'est mal. Pour l'ordinateur, ça fait pas assis. Et puis une famille, ça amène d'autres clients à la banque. Vous êtes propriétaire de chez vous? Oui, un beau trois pièces sans hypothèque rugide. Rugide? Là où il y aura le nouveau complexe? Avec la police, l'agence pour l'emploi et le fisc? Les expropriations, c'est pas avantageux. Ça va jusqu'à la maison à côté, pas plus loin. Ah, les complexes, on sait jamais où ça s'arrête. Écoutez, c'est mal parti, hein. Mais vous êtes un vieux client et surtout, vous êtes un ami. Alors, je vais faire tout mon possible. Déjà, je vous mets deux enfants. Je vous fais une fleur. Et marié. Non. S'il y a une enquête... Ah, puis tant pis, je cours le risque. Mais non, je ne veux pas que vous couriez de risque à cause de moi. Mais c'est un honneur que de rendre service à un client comme vous. Je ne sais pas si l'ordinateur gobera tout ça, mais il faut réussir pour entreprendre.